Il le colle, mais... Oui. Comme tu l'as dit, l'autre là, l'autre côté là. C'était comme ça ici, bien où? Et conformément à cette orientation, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, à chaque fois que les Guinéens sont touchés, à chaque fois que les Guinéens subissent un choc, ils se sentent automatiquement victimes. Et c'est à ce titre, dès qu'il fut informé, il nous a mandatés pour venir partager son message de compassion, son message de soutien aux populations, à la notabilité, aux autorités locales de la préfecture de Gekedo. En plus de tout ce qui a été décrit comme effet, je dirais même impact de cette inondation sur la situation humanitaire, la situation sociale, la situation économique. Nous étions tout à l'heure au marché où nous avons vu pratiquement une bonne partie de l'économie, du commerce de la préfecture complètement sous l'eau, parce que les magasins sont complètement inondés. Et ça présente des signes d'une future crise économique qui pourrait s'aggraver dans les prochaines périodes dans cette préfecture. Donc il était important pour nous de partager la vision du chef de l'État et son soutien aussi aux opérateurs économiques, je dirais même à tous les acteurs économiques de la ville. Le message que nous pouvons partager, c'est d'abord le message de soutien. En tant que membre du gouvernement, le gouvernement sera aux côtés des populations de Gekedo et le gouvernement continuera à soutenir la population de Gekedo pendant cette période de douleur, pendant cette période difficile. Nous savons combien de fois cette crise, ses effets sont en train de se multiplier sur plusieurs dimensions. Il y a des déplacés, ça veut dire que des gens qui ont perdu des maisons, des gens qui ont des maisons inondées, se sont déplacés, ils ont été reçus par d'autres. Ces personnes avaient des situations économiques qui n'avaient pas prévu, n'est-ce pas, cette situation. Donc ça va aggraver encore la vie de ces populations d'accueil. Et c'est pour cela que nous passons aussi le message du renforcement de cette solidarité. Avant ce message, les gens se sont organisés. Une chaîne de solidarité a été développée dans tous les quartiers affectés par cette inondation. Nous encourageons les populations à continuer à développer cette solidarité. Parce qu'après tout, nous sommes Gekedo. Nous sommes touchés. C'est tous les citoyens de Gekedo qui sont touchés. Et l'autre message aussi que nous voulons véhiculer, c'est de sensibiliser tous les habitants de la ville de Gekedo. De comprendre que quand une telle situation arrive, la crise devient rapidement multiforme par l'effet papillon. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'eau dans les secteurs, dans les quartiers. Ces eaux aujourd'hui sont en train de drainer des déchets de tout genre. Ça veut dire qu'il y a un risque élevé que cette crise puisse aussi entraîner une crise sanitaire par des épidémies et également par l'exposition des populations à d'autres formes d'attaques. Aujourd'hui, nous avons reçu des informations relatives à certaines personnes qui ont été mordues par des serpents. C'est par l'effet de cette inondation. Il y a deux jours, la ville de Gekedo a subi de fortes pluies qui ont entraîné des inondations. Et ces inondations ont causé énormément de dégâts matériels à la population. Des maisons détruites, des récoltes perdues et des populations déplacées qui sont aujourd'hui dans le voisinage. L'Anguche a pris les dispositions sur le terrain pour évaluer les mesures. Nous sommes venus avec mon collègue ministre de la fonction publique, du travail et de la fonction publique, M. Faya François Bruno, au nom du chef de l'État, du Premier ministre, et représenter les idéaux du CNRD pour dire que le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya est auprès de la population de Gekedo pour la soutenir dans cette épreuve qui lui arrive. Et ce témoignage-là, nous avons voulu le porter auprès des autorités religieuses
du grand imam de la ville, du curé de la paroisse, des autorités traditionnelles, le patriarche et de Bemakissi. En accompagnement, bien sûr, avec le préfet et la présidente de la délégation spéciale, nous avons été agréablement aussi surpris, non pas surpris, mais surtout de recevoir le préfet de la ville de Kissidougou, qui est venu témoigner sa solidarité à son homologue de Guikédou auprès des populations. Nous avons fait le tour de certains quartiers. Les dégâts sont très, très importants. Il y a une prise en charge urgente à effectuer et nous continuerons, au nom du chef de l'État et du Premier ministre chef de gouvernement, à rester auprès des populations pour les soutenir et passer le message aux entités comme l'ANGUCH et le MATD afin que les mesures d'urgence envisagées soient prises en compte. Ce que la commune est en train de vivre actuellement, nous sommes stressés. Nous sommes touchés parce que voir nos populations dans la détresse, parce que toute la marchandise est partie ou toute la marchandise est mouillée, cela nous dérange. Voir les bâtiments détruits, nos populations dorment grâce à la solidarité, bien entendu, des voisins, cela nous touche également. Voir certains, par le fait de ces inondations, ils ont eu des chocs. Ils sont à l'hôpital. Cela nous touche. Au vu de toutes ces difficultés, nous demandons à M. le Président de venir vers nous. Déjà deux ministres de la République sont là. Cela nous réconforte. Nous demandons à toutes les bonnes volontés d'assister ces populations sinistrées. Aux populations sinistrées, nous demandons à ce que chacun de nous évite ces eaux usées. Ces eaux ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, nous voyons l'eau. Nous pensons que c'est tout, que c'est banal. Mais après ces inondations, ce qui peut advenir, c'est ce qu'il faut voir. Alors nous demandons à tout le monde d'éviter ces eaux, d'éviter ces endroits, jusqu'à ce que l'eau tarisse. Quand l'eau va tarir, on va voir ce qu'il faut faire, comment on va nettoyer, par la grâce de Dieu. Nous lui demandons, puisqu'il a envoyé deux ministres de la République, de continuer à nous appuyer. Parce que les dégâts sont énormes. Les pertes sont énormes. Si nous n'avons pas un appui extérieur, la vie va être très difficile encore dans cette commune-là. Je suis victime de cette inondation. L'inondation est venue la nuit, j'étais couché. Grâce au piroguier qui est là, c'est lui qui est allé me réveiller avec ma famille de sortir. J'ai fait sortir la famille, toute la famille est sortie. Je les ai évacués. Mais moi, personnellement, je suis resté pour garder les bagages. Mais chose qui n'a pas abouti. Et qu'il y a eu plein d'eau, ça m'a fait quitter aussi. Et on ne peut plus aller dans les maisons faire sortir les bagages. Parce qu'il y a un jeune qui a été victime. Il est parti pour chercher un bagage dans la maison. Il s'est vu avec le serpent lui est mordu. Il est jusqu'à présent à l'hôpital. Voilà les problèmes qui sont là. Nous avons beaucoup de choses perdues. On a presque tout perdu. On ne peut pas tout dire. Je demande au gouvernement de venir au secours, en aide. Puisque ce sont eux qui sont sur nous aujourd'hui. Il faut qu'ils viennent en aide, à notre secours, pour nous aider. Et c'est une prière qu'on leur demande, une doléance qu'on leur demande. Ce n'est pas obligatoire, mais une prière. Qu'ils viennent à l'aide à leur population. Nous sommes leur population. Il faut qu'ils nous viennent en aide.